Bon, hello tout le monde. C'est bizarre d'introduire le vlog alors qu'il est 20h30. Mais en fait, j'ai commencé à vlogger tout à l'heure. On allait partir. D'ailleurs, ça n'a pas enregistré parce que j'ai fait tomber ma caméra et la batterie est sortie. Donc, du coup, ça n'a pas enregistré la séquence. Mais j'étais en train de filmer pour vous dire qu'on allait partir, qu'on allait aller à Aventure Kids avec les enfants et rejoindre Camille et sa fille. Et il s'est passé. Bah non, là, c'est raté. Il s'est passé un drame. On allait partir, Théa a voulu mettre ses chaussures, elle a ouvert le meuble à chaussures toute seule et le meuble à chaussures est tombé sur Théa. Donc finalement notre petite sortie c'est fini en sortie. Oui, tombé là. Elle va vous montrer, elle va vous raconter elle-même. Je vois. On voit pas trop parce qu'il y a beaucoup de lumière, mais là il y a le gros bobo. Tourne ta tête mon cœur. On voit pas trop, hein. Attendez. Attends, on voit ma voix. Si, vas-y, tourne ta tête. Là, mais si tu tournes la tête en même temps, attends, regarde ton frère. Voilà, voilà. Du coup, c'est ce meuble-ci hein, de chez IKEA. Alors oui, il y en a partout par terre, clairement. Je sais pas, on est rentré, je fais à manger. Bref, j'ai pas encore rangé le lieu du crime. Mais donc voilà, Théa, son meuble, son casier, il est ici. Elle l'a ouvert et mon meuble, il n'est pas accroché au mur comme ils l'ont recommandé. Normalement, ils ne sont pas censés l'ouvrir tout seul, c'est moi qui l'ouvre en fait. Mais elle a dû s'appuyer dessus et le meuble est tombé sur elle. Et c'est pas de chance parce que normalement, elle a la porte des toilettes qui ferme, qui clipse pas. Donc si c'était tombé là, elle serait tombée dans les toilettes. Mais sauf que là, elle s'est retrouvée ici. Donc la tête coincée entre le mur et le meuble, ce qui fait qu'elle est bien abîmée. D'ailleurs, j'ai galéré à remonter le meuble, hein, clairement. Donc avant qu'on me tombe dessus, oui c'est ma faute, hein. Voilà c'est de ma faute, je n'ai pas fixé le meuble dans le mur, donc du coup mon père il vient, je crois qu'il m'a dit qu'il voulait venir demain matin alors qu'ils ont du monde, mais il va venir demain matin papy pour le faire, parce que mange correctement, Ilana. Prends la cuillère, c'est mieux la cuillère. Qu'est-ce que, attendez, donc voilà, surtout ne faites pas comme moi. Et accrochez vos meubles Ikea au mur. Parce que je sais que bah, je connais beaucoup de gens qui ne les accrochent pas. D'ailleurs, pour dire, je connais personne qui les accroche. Vas-y, ferme le frigo. Notamment les commodes, etc. Et, mais qu'est-ce que tu fais avec le frigo? Et bah, il faut le faire. Voilà. Donc là, plus de peur que de mal, on est allé aux urgences quand même parce que. Elle est en forme, vous l'entendez? J'étais à la pharmacie et tout, j'ai mis une poche de glace aussitôt pour que ça gonfle pas trop. Théa? Théa? Ouais? Je suis en train de manger, moi j'ai fini. Je prends pas de dessert. Il est quoi? Index. Celui-là? Celui-là c'est le pouce. Majeur. On le montre pas celui-là. Mais montre comme Ethan, c'est mieux. Là, c'est madame. Hey madame. Bref, voilà. Écoutez, bah, la journée du coup se termine comme ça. Hein. De toute façon, la journée avait très très mal commencé. Je le savais que c'était une mauvaise journée. Voilà. On a commencé réveil à 9h par les voisins, les nouveaux voisins apparemment, qui ont joué de la perceuse. Sauf que 9h, c'est pas tôt, mais Théa. 9h c'est pas tôt, mais en soit on était en vacances et c'était le seul jour où on pouvait dormir un peu et tout. Bref, donc 9h réveillée, je m'étais endormie vers 2h je crois, bon, ça va. Et ensuite une avalanche de nouvelles de merde, enfin bref voilà. Ethan, mange correctement, mais c'est insupportable de manger avec des enfants en vrai. C'est insupportable, c'est vraiment, c'est le zoo quoi. J'ai l'impression de manger avec des animaux sauvages, vraiment pas propre. Il y a aucun. Non, mais ça fait vraiment pas rire par contre. On est à table, on met les mains sur la table, on se tient bien. Tu es fatiguée. Ah bah, si tu savais, moi aussi. Donc. Mais si tu savais, moi aussi. C'est flou. C'est très bien, ça tombe bien parce que vous allez aller au dodo. Oui, non, tu finis ton yaourt avant d'aller au dodo. Bon, écoutez, je vous retrouve après parce que ce moment là aussi, c'est bruyant et tout. Du coup, je m'étais maquillée et tout. Pour rien. Pour aller à l'hôpital. Bon écoute, je vous reprends après parce que là c'est le moment vraiment. Ce moment de la journée où t'as envie de les coucher mais il faut encore laver les dents et tout. Mais c'est par là qu'il faut se mettre. Tourne-toi bien, tiens-toi correctement à table. Appuie pas dessus, ça va te faire beaucoup. Arrête! Mais t'es pas nette, Georgette! On voit ou pas? Bah oui, hein. On voit tes bobos.
Tu t'es cassé. Tu es cassé, ma fille. Tu as cassé quoi? Mon œil. Et la joue. Tu es belle. Maman. Oui, t'as raison. Elle est tarée. On retrouve du coup, on est le lendemain. Je vais vous montrer, j'ai acheté des trucs chez Action. Je sais plus c'est quand. C'est quand je suis allée au sport. C'est jeudi. Donc jeudi, je suis allée chez Action et j'ai acheté quelques bricoles. Alors ça, c'est à Théa. C'est leur truc. Théa, je t'ai remonté ça, c'était dans la voiture. Donc j'ai acheté un tupperware. Parce que j'ai laissé les miens chez mon ex et du coup, j'en ai plus. Ça a mon cœur. Par contre, t'as pas de culotte, t'as rien. J'ai pris des verres pour Halloween. Comme ça, parce qu'il me reste que 3 gobelets en carton. Enfin, oui, en papier, en plastique. Non, c'est en carton. Et donc, du coup, celle-là, ce sera pour moi et Camille. J'ai pris une trousse pour Théa. Je voulais leur acheter des feutres, je ne l'ai même pas fait. J'ai pris une petite trousse pour mettre ses feutres à elle, qu'elle n'abîme pas. Avec les feutres d'éteindre, c'est toujours la bagarre. Ensuite, j'ai pris des masques pour moi parce que j'en avais plus. Voilà. Mon shampoing sec, enfin un shampoing sec. J'ai pas pris grand chose. Ah oui? Un déo, c'est pour aller au sport, que j'en ai un dans mon sac tout le temps. C'est des verres d'Halloween. J'ai pris ça pour Théa. C'est quoi? Des chaussettes, vous savez, pour traîner à la maison. Mais pas de patrouille. C'est Stella, mon cœur. C'est pour toi. Tu peux les mettre? Non, il faut que maman les lave. Et j'en ai pris pour Ethan. Elles sont en pilou-pilou. C'est des vrais. Voilà. J'ai pris carte comme ça, garçon-fille, parce que je sais pas encore. Pas pour moi. Hein. J'ai pris une petite bestiole pour Noël. Regardez. Ah, oh, trop mignon. Pour moi? Non, c'est pour Noël. Non, tu fouilles pas, tu fouilles pas. Non, non. Tiens, et des ciseaux pour Théa, parce que ici on a des ciseaux d'étane, c'est des ciseaux de gaucher. Voilà. Donc c'est les petits achats, il y avait vraiment et pas grand chose. Et t'as acheté des verres en citrouille? Des verres, ouais, je vais y aller pour les trucs d'Halloween, mais il n'y avait plus rien, clairement. Voilà, je vais regarder ce que maman, ça fait. Maman, le kebab d'Étienne, il est parti il y a longtemps, on a toujours pas mangé. Elle est où? Elle est où, ouais. La carotte? Voilà, voilà. Elle est où la carotte? La carotte, bah, si tu l'as donnée à Meiko, il l'a mangée. Hein. Alors, on se retrouve un petit peu plus tard, il est beaucoup trop tard, je vous dirai pas l'heure. C'est pas du tout une heure pour manger. On est au McDo. On va prendre un petit McDo, en plus avec le Monopoly en ce moment et tout, en ce moment je mange un McDo gratos à l'œil, c'est génial. Ma fidélité est récompensée. On attend par contre, il y a du monde, c'est incroyable qu'il y ait autant de monde. Tu peux faire du bruit avec tes ongles? Non mademoiselle. Merci. Les enfants sont détachés uniquement parce qu'on est dans la queue pour le drive, ils ont enlevé leur manteau. Et on va manger sur le parking dans la voiture. Flemme de rentrer, franchement il y a beaucoup de monde. Donc voilà pourquoi les enfants sont détachés, sinon ils ne sont jamais détachés. Même moi je me suis même pas détachée. Voilà, oui je vous ai pas montré mais j'ai fait mes ongles d'Halloween, j'essaye de vous montrer ça. C'est le vernis qui fait le bruit. Voilà, bon les faire avancer. Moi aussi. Et donc il me semble que je vous ai dit, mais du coup on est sur. Là on est arrivé sur Tourville parce que je veux trouver un gâteau. Pour demain parce qu'on fait Halloween avec Camille et sa fille, ma soeur va peut-être passer aussi avec Juju. Ouais, et accessoirement c'est mon anniversaire donc un gâteau, mais c'est aussi pour que les enfants puissent faire un goûter d'Halloween. Et si le temps se maintient, demain c'est prévu pluie toute la journée, on ira faire la récolte des bonbons. Oh cette tête, ça se voit, je suis au bout de ma vie. Théa elle est en train de faire pipi sur le parking. Je sais pas si vous êtes toutes comme moi les mamans de petites filles. Attends, tu veux pas faire caca du coup? Tiens, petit mouchoir pour essuyer la lunette. Après c'est mes dodos. Non, dans la portière. Quand t'as une petite fille. La poubelle? Oui. Qui a fait faire pipi et qui a pas de toilette. Donc nous, on se travaille avec le pot dans la voiture. Oui. Ethan, c'était facile, tu sors ton zizi, tu veux. On le met dans l'herbe, le pipi. Oui, je vais jeter le pipi dans l'herbe, tout à fait. Non, c'est moi. Non, 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 non. Ouais, j'ai réussi à décoller un. Maman, regarde, j'ai réussi à décoller le jaune. Le jaune est pour moi, ça Alors, on est rentré des courses. Là, du coup, il est 18h30. On a vu des enfants qui sonnaient aux portes pour fêter déjà Halloween. Maman. On est le 30 octobre. Hein. Salut. Approche qu'on voit tes bêtises là. Salut. Ah, t'es flou. Guignol. Donc, j'ai trouvé un gâteau pour demain pour les enfants, pour moi, pour nous, je veux dire.
Je suis égoïste, c'est genre juste pour moi. Un gâteau, voilà, il n'y avait que ça. Il y avait des gâteaux d'Halloween, mais c'était des trucs fruits de la passion et tout. Donc pour les enfants, ça va pas le faire. Un coca, la base. Non, là, je me suis pris ça pour là tout de suite pour tenir. Ah ouais, j'ai trouvé des pailles d'Halloween. Donc ça, c'est bien, il y en a 50, donc ça servira les autres années. Pour faire des chamallows au chocolat. Salut. Tout Manon. Orange. Salut. Mais ça va pas bien, non? Ils sont décollés sur le ventre. Des chamallows trempés dans du chocolat fondu et du vermicelle, c'est trop bon. Et donc on va les mettre sur les pics, sur les pailles, je perds mes mots. Bon, je vais faire pipi, j'ai trop envie de faire pipi. Hello tout le monde, on se retrouve du coup le lendemain. Donc on est le 31 octobre, mais je crois que ça se devine assez facilement. Par contre, pourquoi c'est si lumineux? Il fait pas ouf de beau, il fait pas beau de... Il fait pas très beau. Tu tiens les oreilles? Donc normalement après 16h il pleut plus. Bon là ça pleut plus. Donc on ira faire la récolte des bonbons après. Là on attend Camille. Il est... Ah oui, j'adore. Il est pas 14h30, il est 13h30. Les enfants me grignotent. Enfin, je voulais leur faire des hot dogs mais il y en a une qui veut pas. Fais voir ton beau maquillage d'Halloween. Oui, m'appuie pas sur ton œil, il est déjà tout violet gonflé. Laisse le non-œil. Donc ça c'est le maquillage naturel, gratuit. Et puis ça c'est la petite araignée. Fais voir la petite araignée. Et moi j'ai des gros sourcils. Attendez, je joue. De quoi? Tu dis quoi? Tu me dis des bêtises là? Du coup, Théa a remis sa petite robe, on l'avait enlevée le temps de manger. Parce que sinon, elle va se salir. Quoi? Qu'est-ce que t'as toi? Qu'est-ce que t'as, Coco Bel Oeil? Regarde. Coco Bel Oeil! Non, non, tu vas l'abîmer, il faut pas attraper comme ça. Gogol. T'as dit les deux lasers. Quoi? Je comprends rien quand tu... On va te recoiffer parce que là les bouboules elles sont... Si si. Ça si. Allez, Camille elle va arriver. Avec Théoda. T'as dit les deux lasers. Il est folle. Du coup je suis en train de préparer la recette que je faisais tout le temps. Genre j'ai pris des pailles en carton sur le thème d'Halloween. Je les plante dans les chamallows. Et là je fais fondre au bain-marie du chocolat. Je vais le tremper dedans et après, bah mon vermicelle, ça serait peut-être bien que je le prenne. Et après, j'ai pris donc là du vermicelle vert que j'avais. Ça, c'est un truc de Noël, mais en vrai, pour que ça fasse un peu d'Halloween. Et après, sinon, j'aurais du blanc. Allez, viens. C'est où les bonbons que vous avez récoltés? Ah mon dieu, les sourcils. Attends, il y a Léoda qui se cachait. Elle était derrière, c'était par... Magique. Oui, oui. Il faudra que tu me l'échanges. On fait le trafic après. Attends. Je fais très bon. Il y a les trois quarts de bonbons. Oui, mais c'est pour nous les bonbons, on est d'accord. Un bonbon. Un bonbon? Ouais, des miettes. Ouais, des miettes. C'est quoi tes peurs là, les monstres? Bonbon. C'est pour les enfants. C'est pour maman. Mais maman, on va jamais pouvoir ouvrir la bouche grande comme ça. Ça me la rassoit.